Hello, hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la Yankee Box du mois de décembre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Gourmandise d'hiver. Je me rappelle pas que ça donne comme ça, mais bon. Donc la box, comme toujours, se présente avec un petit papier de soie, la petite étiquette du store. Et aujourd'hui, enfin ce mois-ci, des petits flots comme ça, des petits pour protéger. Aucune casse, tout nickel et la boîte sent juste super bon dès l'ouverture. On commence. Alors dans cette box, en fait, j'ai découvert des petits bonbons roulés, des petits cadeaux dans du papier. Donc j'en avais 4, donc que j'ai déjà déballé pour faciliter justement la vidéo. J'en avais un dans un petit papier comme ça. Yankee Candle avec des petits flocons. Je les garde précieusement parce que je les trouve trop mignons. J'en avais un bleu, un rouge et mon préféré. Alors comment je vais vous le mettre? Il est juste trop mignon. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo tout simplement. Alors dans le premier petit cadeau, j'ai découvert 2 tartelettes et ça tombe trop bien parce que je suis allée me promener samedi et je disais justement à mon chéri, oh, j'ai plus beaucoup de tartelettes, j'en ai racheté et je me suis dit, je suis sûre que je vais en avoir dans la box. Ça a pas loupé, ça tombe juste super bien. Donc la première est la Sugary Apple, donc pomme givrée comme ceci. Elle est un peu épicée celle-ci, c'est pas franchement ma préférée. Mais bon, mon homme adore. Oh, quoi que si. Oh, si, ça va. C'est laquelle que j'aimais pas, alors. Non, ça va, finalement. Ça va. La deuxième est la Cranberry Ice. Donc, bah là, il n'y a pas écrit de traduction. Hein. Comme ceci. Donc, celle-ci, elle a vraiment une odeur gourmande de fruits rouges. Elles sont très bonnes. Donc ces 2 petites tartelettes étaient dans le premier petit bonbon en fait que j'ai eu dans ma box. Alors encore une fois, je ne regarde pas au bon endroit. On va y arriver. Dans le deuxième petit cadeau, j'ai encore trouvé 2 tartelettes. La première que je connaissais déjà, la Christmas Cookie, donc qui est la cookie de Noël comme ceci. Et elle sent juste vraiment très bon. Vous êtes beaucoup à l'aimer celle-là. À chaque fois, je me sens obligée de les ressentir. J'aime tellement ça. Elles sont très bonnes. Ensuite, il y avait le Bundle Up, donc au chaud dans la neige. Et ça, c'est une des odeurs de Noël que j'avais eue. En fait, j'avais eu un petit dépliant, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la box du mois précédent avec cette odeur. Et vraiment, j'aime beaucoup cette odeur. C'est ouais, ça sent frais, mais en même temps, c'est un mélange un peu de parfum masculin. Elles sent vraiment super bon. Moi, ça sent le propre, la lessive. Celle-là, j'adore. Le seul truc que j'aime pas, donc ça c'est pour un message pour Yankee Candle, on va dire. C'est con, hein. Mais ce que je trouve vraiment moche, c'est juste l'illustration. Après, voilà, c'est mon avis. Mais je trouve que ça fait vachement... pas rétro, mais... Ouais, années 80 quoi, comment ils sont habillés les enfants. Je sais pas, ils auraient pu faire un petit truc, je sais pas, plus sympa, plus... Je sais pas, là ça me plaît pas l'image quoi. Mais l'odeur me plaît beaucoup. C'est le principal, hein. Donc voilà, dans le troisième petit cadeau, j'ai retrouvé... Alors, faut que je retienne le nom, jusqu'à chaque fois je dis des bêtises. Des lumignons. Lumignons. Je dis toujours lumilon, luminon, donc j'arrive jamais. Bref, des petites bougies chauffe-plat comme ceci. Donc c'est... Il n'y a pas écrit l'odeur, mais pour moi, ça doit être vanille bourbon, il me semble. Elles sentent très bon toutes les deux, donc voilà. Donc je valide aussi. Hein. Hop là. Dans le quatrième petit bonbon cadeau que j'ai reçu, j'avais encore 2 tartelettes. Et oui, j'ai été servie en tartelettes ce mois-ci. Dont la Winter Glow, la lueur hivernale, que j'aime beaucoup et que j'avais acheté donc le samedi avant d'aller chercher ma box. Elle sent vraiment super bon. Encore une fois, ça sent le propre. Ça fait penser un peu à la soft blanquette.
Elle sent très bon, je vous la conseille. Et une autre tartelette que je n'avais pas. Donc les autres, bah, je les avais achetées le samedi, hein, pas de bol. C'est pas grave, ça m'en fera deux. De toute façon, j'aime bien avoir les parfums en deux. Et donc celle-ci, je ne l'avais pas du tout. C'est la Christmas Haze, donc Nuit de Noël. Avec le petit Papa Noël avec son traîneau, elle est trop mignonne. Et elle, alors, comment vous décrire l'odeur? Alors déjà, je suis nulle en décryptage. Je sais pas ce qu'elle sent. Mais elle sent super bon. Voilà, donc je suis juste trop contente de la tester. Ensuite, dans cette box, oui, parce qu'il y a encore quelque chose. J'ai eu ceci. Donc, ça s'appelle un crackers. Donc, moi, ça me fait pas... Je sais pas pourquoi je dis crackers, ça me fait penser aux apéros, c'est crackers. Donc, c'est un petit cadeau qui s'ouvre comme ceci. Ah, déjà, je trouve ça trop mignon comment ça s'ouvre. Moi, quand j'ai eu la boîte, j'ai vu le nom, je me suis dit, ah non, je vais être obligée de la craquer pour l'ouvrir, elle est trop mignonne et tout. Et en fait, bah, pas du tout parce que... Et qu'a-t-on donc à l'intérieur? Eh bien, nous avons trois votives. La première, Slough Cake Cookie, donc flocon sucré, comme ceci, que j'ai en tartelette, que j'aime bien. Mais alors, je vais vous dire un truc, j'arrive plus à sentir l'odeur parce qu'il y en a une dans l'eau. Il y en a une dans l'eau qui dépote de la mort qui tue. Et donc, du coup, son odeur a pris sur les autres vu qu'elles étaient dans la même boîte. Donc, celle-ci, j'arrive plus à sentir, mais je sais qu'elle sent très très bon. La deuxième est la Sparkling Snow, donc neige étincelante, que j'adore d'amour aussi, qui sent trop bon. Et celle-là, j'arrive à la sentir. Ah, ça sent... Ça sent le propre, ça sent... Je trouve que ça sent quand même des odeurs masculines. Et la dernière... Oh mon dieu. La Sparkling Cinnamon. Cannelle pétillante. La cannelle et moi, on n'est pas super potes, on va dire, hein. Quoique maintenant, je m'y fais de plus en plus à la cannelle, mais par petite dose. Et là, elle est vraiment très forte. Mais à brûler, je sais que j'avais des tartelettes, je sais plus c'était laquelle qui avait de la cannelle dedans. Et à sentir comme ça, je détestais. Je me suis dit, oh mon dieu. Et en fait, quand je l'ai brûlée, c'était plutôt doux. Et bon, bah, c'est les odeurs de Noël, hein. Donc voilà, trois votives dans ce petit... Ce petit cadeau. Franchement, ça, je trouve que c'est une très, très... Oh, mais elles m'en veulent, ces votives. Je trouve que c'est une super idée cadeau, ça. Franchement, voilà, quoi. Tu offres ça à quelqu'un, à une copine, à ta mère, ta tante. Ça fait tout son effet et ça plaît à coup sûr, je pense. Et la dernière chose que nous avons eue dans cette box, parce que nous avons été gâtés, et c'est peut-être la chose que je préfère, c'est... Ceci. Et franchement, alors ça j'ai adoré. C'est une petite bouboule pour mettre dans ton sapin. Donc Yankee Candle. Elle est juste trop mignonne. Donc il y a écrit 2015. Donc en plus tu sauras quel Noël tu l'as eu. Elle est vraiment trop 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 jolie. Et à l'intérieur il y a des petites tartelettes. Je les ai enlevées parce que j'avais pas envie de les casser. Donc que j'ai ici. Tout d'abord, il y avait la Angel Wings, donc aile d'ange, voilà, qui sent trop bon. Oh, j'adore. Il y avait la Christmas Garland, donc garland de Noël que je ne connaissais pas et que je suis juste trop contente de tester. Et qui, pour le coup, c'est pas que j'aime pas, mais elle a une odeur. Je ne saurais pas comment décrire. Entre parfum et plante. Elle a une odeur étrange, mais pas désagréable, franchement. Et la dernière est la Berry Trifle, donc la Triflobée. Et celle-ci, on l'a eu en petite votive le mois dernier et je l'adore. D'ailleurs, je l'ai presque fini ma votive. Je vais me shooter à ça. Donc, ce mois-ci, on a eu de très jolies choses. Donc, mon petit menu. On me dit quoi? On me dit bonjour, la mox...
La box du mois de décembre est intitulée Gourmandises d'hiver. Vous y découvrirez deux lumignons gourmands, un cracker avec trois votives. Les bougies votives, donc on nous dit qu'elles sont conçues pour se liquéfier et donc elles doivent être mises dans un support approprié, dans un porte-votif, quoi. Hein. Voilà, et sans photo fort. On nous dit aussi qu'on a une jolie boule signée Yankee Candle pour décorer notre sapin. Donc ça, c'est super mignon. Et on nous dit de faire attention parce qu'il y a des tartes à l'intérieur. Et on nous dit aussi qu'il y a des bonbons tartes, donc avec des petits cadeaux dedans, et donc de tartelettes. Et on nous dit qu'on nous laisse la surprise de la découverte de tous les parfums. Et voilà, on nous dit que la box a une valeur de 37,78€. C'est juste fou. Voilà quoi, quand tu payes ta box 24-25€, ça vaut vraiment vraiment le coup. Et on nous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, donc moi aussi, Sani, je te souhaite de super fêtes de fin d'année. Donc, cette box, j'en suis encore une fois ravie. Je vous la conseille fortement parce que moi, grâce à cette box Yankee Candle, j'ai découvert des parfums que je n'aurais jamais acheté de moi-même et que j'adore maintenant. Et puis, on a vraiment des petits trucs sympas que voilà, moi je suis, voilà, enchantée. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, pour vous inscrire à la Yankee Box et la recevoir, donc soit chez vous, soit en point relais, mais gratuitement en point relais, il vous suffit d'aller sur la page du Yankee Store, de jouer les tours, il y en a un à tour, à jouer les tours maintenant, donc vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Et donc, vous écrivez un petit mail en demandant le formulaire d'inscription, en posant vos questions, si vous en avez, on vous répondra. Une box coûte 27-28€, je ne sais plus. Plus tu t'abonnes, moins tu payes ta box cher. Donc tu peux t'abonner sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 11 mois. Voilà. Chaque mois, il y a un thème différent. Tu n'es pas obligé de prendre tes box à la suite. Tu peux prendre janvier, juin et décembre. Tu peux faire comme tu veux, c'est juste super. On découvre plein de choses géniales. On a des trucs cool que moi, j'adore. Donc, voilà. Je te conseille d'aller jeter un œil sur la page que je te mets en barre d'infos. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je suis en fête, hein, c'est le mois de décembre, donc moi aussi je vous souhaite de super super joyeuses fêtes de fin d'année, plein de cadeaux, que ce soit les cadeaux que vous allez recevoir de vos proches ou les cadeaux de la vie, hein, la santé, la joie, etc, etc, etc. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.